Ce qu'on appelle l'ouverture. L'ouverture des votes, nous pensons, nous considérons qu'on est à 5 heures du matin. Et la CENI vient devant témoin faire donner les go. Nous utilisons ce bulletin. C'est ce bulletin qui est utilisé en le mettant. Comme on fait des signalisations, les verts. Ça, c'est la CENI qui le fait. En soi, là, l'écran nous donne, nous dit que nous sommes ici élection présidentielle, élection législative nationale, élection provinciale. Il n'y a pas de référendum. Non, c'est important. Ça veut rien dire. Hier, il n'y avait pas machine à voter, elle est là. Merci, président. Nous les confirmons sur cet travail-là. C'est-à-dire, nous identifions les membres du bureau de vote. Dans un bureau de vote, il y a 5 membres. Là, nous mettons un président. Un président, un secrétaire et 3 assesseurs. On commence par mettre le nom du président. Nous les mettons Mayo. Nous mettons ici le numéro de sa carte d'identité nationale. Et ce nom reste pas dedans. Bon, et nous mettons aussi son téléphone. Pour éviter les fraudes. Nous mettons le deuxième nom, c'est celui de l'assesseur numéro 1. Joli, c'est joli nom. Ok, nous mettons son numéro national et nous lui ajoutons un numéro de téléphone. Ok. Assesseur numéro 2, admettons que c'est monsieur... Madame. Nous mettons son nom et nous mettons un numéro. Et ici, nous ajoutons son numéro de téléphone. Nous mettons le nom de secrétaire. Il s'appelle tel. Son numéro d'identité nationale. Et puis son téléphone. Assesseur suppléant, on met son numéro, un numéro de national et on met on vous demande si c'était le travail de la CENI, nous le confirmons. En confirmant, la machine est en train de télécharger ces données. Ça se fait devant témoins, les témoins qui doivent être là pour voir ce qui se passe. Mais les partis politiques.
Oui. Oui, témoin de parti politique. Et, ici, la machine me donne déjà ce que ça, ce qu'elle va imprimer. En soi, c'est ce qu'on appelle avant, une fiche avant impression. C'est la fiche, la fiche d'ouverture de vote. Identité de la machine, on met son numéro. Heure d'ouverture, donc c'est le 22 février 2018, aujourd'hui, à 11h14 27 secondes. En confirmant, la machine m'imprime donc cette première fiche d'ouverture. C'est ça ce qui a été avec les noms de tous les thèmes. Nous allons vous laisser cette. Vous signez. Et tout le monde, les agents vont signer. Et les témoins des partis politiques présents signent. Comment on va voter? Chaque électeur, le premier électeur vient. Non, je lui fais la démo et puis. La démonstration. Dès qu'on insère les bulletins, la machine vous dit élection présidentielle. Les témoins sont les candidats sont là. Paix à son âme, vous verrez encore le président Étienne Tshisekedi. Parce qu'il était candidat. On dit que comme il n'est pas enterré, on laisse encore comme. Nous avons les 11 candidats. Vous pouvez, si l'écran prend tous les candidats, on fait les choix. Je pense ici. Dès que vous choisissez votre candidat, les autres candidats se mettent en veille et votre choix apparaît totalement. Plein écran. Ici, c'est vous confirmer. Si vous pensez que non, vous aviez fait une erreur, vous annulez, vous revenez là-bas. Ce n'était pas une erreur. Pendant la députation. Alors, soit vous confirmez. Attends. C'est mieux de le faire à la députation. Comme ici, l'écran est. En confirmant, soit que non, c'est celui-là, ou bien même en touchant à la photo, ça confirme. Donc, vous passez à l'élection présidentielle. Législative. Là, ce sont les candidats qui sont là. Vous verrez que non, l'écran peut être petit pour contenir tous les candidats. Vous avez deux manières, soit vous mettez suivant, l'écran amène d'autres photos, soit comme les électeurs viennent souvent voter après la campagne électorale qui est battue avec des chiffres. 67. Donc vous pouvez dire ici, moi mon choix c'est 67. Directement ça te ramène au numéro 67 et ça te permet de choisir ce que vous voulez. Alors, j'ai fait ces choix. Voilà. Oui, parce qu'il y avait 67 là-dedans. Et nous, on fait sortir tous les numéros qui commencent par 6. 67, et oui, par 6, 7, jusqu'à 6, parce qu'il y a des candidats qui vont jusqu'à au-delà. Et il n'y avait donc pas. Et n'oubliez pas ici, on a mis une partie seulement de candidats. En confirmant, on passe à l'élection provinciale. Même chose. Ici, on a pris les candidatures de 2015. INC est là. Qu'on vote à l'IA. Voilà. Alors, en les confirmant, vous voyez, ça sort les choix, mais les bulletins s'impriment. Le rôle de la machine s'arrête à ce point. C'est pour dire, parce que ça sera dans un isoloir, la machine doit dire ça pour que nous sachions de l'autre côté. Le bourrage papier, veuillez retirer le papier, coincer, puis toucher sur le bouton pour faire ça. Non, c'est la maman là va faire ça au village. Non, ce n'est pas la maman. Ça, ce n'est pas son travail. Il a déjà son bulletin. Il a déjà. C'est juste que non, il a retiré ça avant. Alors, il tire son papier, son bulletin qui est là. Avec la photo et son choix, il vérifie même. Le comble que quand c'est déjà imprimé, il ne peut plus voter pour la deuxième fois. Mmh. Oui, parce qu'il devait vérifier à chaque fois que la photo apparaissait. Il faut s'assurer que. On lui a affiché. Oui. Partez avec. Alors, il prend le bulletin.
il prend les bulletins. Si vous, jusqu'à la fin, vous avez posé des questions. Il prend les bulletins, il met dans l'urne. Et c'est ça son vote. Il va prendre de l'encre indélébile, il sort. Émargement. Émargement, encre indélébile, prend sa carte d'électeur, il sort. Et ainsi de suite. Bon, évidemment, c'est que la notion dont on dit, dont on parle, il va falloir qu'on apprenne les gens comment se faire. C'est tellement simple, c'est plus simple qu'aller à faire, je ne sais pas pourquoi, si tous les gens viennent avec les candidats. Vous pouvez prendre, président, si vous permettez, on peut prendre les deux ou trois personnes qui essayent de voter. Professeur Lamy et madame Wacha, venez. Thank you.
2011 de dire. J'ai dit c'est vrai. Ce que j'ai dit là est très important. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ce que j'ai dit est très important. En 2011, notre grande préoccupation c'était de dire que dans les serveurs, il y avait déjà des voix pour les candidats de la majorité. Quelle que soit maintenant la transparence de, de vote, admettons que vous avez déjà mis 3 millions dedans. Et maintenant nous allons voter, nous nous partons de zéro. Et quand on proclame, on dit non, non, lui il a gagné. C'est ça que nous voulons, effectivement, que toutes ces spéculations-là et toute cette crainte puisse disparaître, que l'audit international, là, effectivement, les experts, que vous venez finalement d'accepter, et aussi viennent, nous viendrons avec eux aussi. Bon, oui, oui, on doit auditer tout ça. Parce que les rapports que nous avons entre vous et nous, oui, ne sont pas. Il faut faire des bonnes élections pour vous. Mais justement, des bonnes élections. Mais c'est moi, vous voulez chaque fois obéir aux ordres. C'est ça le grand problème que nous avons. Non, non, mais c'est l'impression. La CENI doit être indépendante. Envers tout le monde. Oui, mais quand vous parlez, la communauté, la majorité dit la même chose, pour nous, ça ne nous racine pas. On a exprimé d'abord de la population qui comprend le sens. D'abord, c'est quoi, non, nous avons parlé du processus électoral et nous avons parlé de la machine à voter et nous avons parlé d'autres questions. En ce qui concerne le processus électoral, nous avons passé en revue le calendrier électoral et avec la CENI, nous voulons demander, et la CENI l'a confirmé, que la date du 23 décembre 2018 soit considérée comme une date qu'on ne va pas dépasser, qui est réellement élection dans notre pays. Et pour cela, il y a des activités à accomplir. Le président de la CENI a parlé de la loi sur le partage des sièges et beaucoup d'autres questions qui nous concernent, nous, partis politiques, par exemple les regroupements de nos partis politiques, d'ici le 15, pour que le gouvernement puisse les déposer à la CENI le 26 mars prochain. Mais nous avons aussi visité les serveurs qui avaient posé problème en 2011 et nous avons dit au président de la CENI que cette façon de démystifier certaines questions rassure les parties prenantes au processus électoral. Mais nous avons ajouté, et il est d'accord, que le groupe d'experts internationaux qui avait été constitué à la suite du communiqué de New York puisse travailler avec la CENI pour nous rassurer, nous tous. Et cela a été acté. Nous avons dit que le serveur aussi fera l'objet non seulement d'un audit, mais on doit nous dire ce qu'il y a dedans, parce qu'en 2011, nous disions qu'il était possible qu'on puisse mettre des données déjà en faveur d'un candidat pour qu'il gagne avant même que les élections ne commencent. En ce qui concerne les fichiers électoraux, nous avons été dans la salle machine pour voir comment on était en train de détecter les doublons, les mineurs, et ça s'est fait. Et il y aura, après ces fichiers-là encore, nous avons exigé qu'il y ait un audit pour assurer tout le monde qu'effectivement, les doublons n'existent plus, les mineurs ne sont plus dans les fichiers, la fiabilisation des fichiers. En ce qui concerne la machine à voter, nous avons dit au président de la CENI, nous, INC, nous ne sommes pas encore convaincus qu'il faut utiliser cette machine à voter. Elle peut créer beaucoup de problèmes. De son côté, il nous a fait la démonstration. Nous avons posé beaucoup de questions, mais nous restons sur notre position, tout en laissant les discussions continuer. Et nous avons dit au président de la CENI, pour l'amour de la nation, nos arguments que nous apportons, si elles arrivent à vous convaincre, il ne faut pas vous laisser lier par un engagement flou quelconque ou la peur. Il faut sauver la nation et nous allons de l'avant. Parce que convaincre 35 millions d'électeurs potentiels, les sensibiliser pour manipuler cette machine, nous disons que ça devient trop compliqué. Nous avons dit que cette machine n'était pas prévue dans le calendrier puisqu'on l'a cherché partout. On ne l'a pas vue. Nous avons parlé du secret de vote et nous a expliqué qu'il y aura l'isoloir. Nous avons parlé de comment utiliser cette machine, qui va assister la personne qui va le faire. Toutes ces questions ont été passées en revue
Et je préfère que nous puissions attendre que les autres partis de l'opposition qui viendront à 14h et après puissent elles aussi se soumettre à cet exercice pour que nous donnions notre position commune. Mais je ne voudrais pas qu'il y ait d'équivoque en ce qui concerne la machine à voter. De l'INC, nous sommes partis et nous continuons à croire qu'il ne faut pas utiliser la machine à voter. Voilà ce que je peux dire à ce stade de notre rencontre qui a été très fructueuse. Nous avons appris beaucoup de choses. Il faut être aussi honnête, quand on apprend, on reconnaît. Mais cette machine à voter, nous continuons à regarder encore le président de la CENI pour lui dire « Attention, nous vous regardons et cette machine, nous allons tout faire pour vous amener des arguments pour que vous compreniez. À vous de nous opposer aussi vos arguments. » Merci. Merci.